Salut tout le monde, ici Varlonix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment avoir le 9ème badge de RB Battles qui vous aidera à avoir les ailes de gagnant 2.0 si vous obtenez tous les 12 badges. Et donc voilà, ça fait partie de l'événement de RB Battles. Mais donc avant qu'on passe à cette vidéo, je vais demander à tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer ce type de vidéo. Et donc là on peut continuer la vidéo. Alors tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut rentrer dans le jeu de Adopte-moi, aussi connu sous le nom de Adopt Me, et donc les liens de ce jeu sera dans la description si vous voulez rentrer. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est que tout d'abord, il faut trouver 3 cristals qu'il y a autour de la map, donc il y en aura à chaque côté. Alors je pense qu'on va juste commencer par le premier, donc juste suivez où je pars. Et donc voilà, il faut juste venir dans la centre-ville et juste partir comme ça. Et il y aura celle de DJ qui va être juste là-bas, donc juste suivez-moi. Donc voici le cristal, voilà, je vais juste l'activer, vous pouvez marcher dessus et ça va s'activer. Et donc ensuite je vais vous montrer celle de Rousseau, ce qui va être juste là-bas, donc suivez-moi. Et donc voici le cristal de Rousseau, ça aussi je vais activer. Et ensuite on va juste partir et prendre le cristal de Sabrina, plutôt l'activer. Donc ça va être devant ce château rose, donc voilà, je vais juste partir et suivez-moi. Et donc là, comme vous pouvez voir, je suis devant le château et voici le cristal. Ça aussi, je vais l'activer. Donc voilà. Et donc là, dès qu'il y a les 3 cristals activés, ce qu'on peut faire, c'est qu'il y aura la montgolfière ici. Et je vais juste partir et le prendre. Donc voilà, il va être juste là. C'est dans le centre-ville. Donc je vais juste rentrer à l'intérieur. Et je pense, voilà, il faut d'abord parler au capitaine Arla. Il va dire des trucs. Et je pense que là, je peux m'asseoir. Et on dirait qu'il faut que j'achète avec 5$. Donc voilà, je vais l'acheter. Et il va décoller dans 60 secondes. Donc je vais juste attendre. Et donc là, vous pouvez voir, il me reste quelques secondes. 3, 2, 1. Et donc voilà, ça va décoller et on va juste partir. Donc là, vous pouvez voir que ça va commencer. Et il faut juste qu'on monte là tout en haut où il y a la tour. Et donc je vais juste attendre jusqu'à que j'arrive là-bas. Donc nous y sommes, donc je peux juste descendre et je vais rentrer dans la tour. Et là dès que je rentre, je vais juste monter comme ça. Et là je pense que voilà, il faut juste qu'on monte parce que il y aura le trophée qui va être tout en haut. Ok, et là ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut utiliser les trampolines qu'il y a pour prendre le trophée qu'il y a tout en haut. Et donc voilà, je vais juste sauter comme ça. Et voici le trophée. Je pense que ça a marché. Oui, comme vous pouvez voir, j'ai reçu le badge. Donc ça veut dire qu'on l'a bien fait. Et donc là, dès qu'on a notre badge de RB Battles, on n'a pas tout à fait fini. Parce qu'il faut retourner dans le jeu de RB Battles. Et donc là, dès qu'on est dans le jeu de RB Battles, d'ailleurs le lien de ce jeu sera dans la description si vous voulez rentrer. Et dès qu'on spawn tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut partir et placer votre badge dans le bâtiment où c'est marqué Event Badges. Donc je vais juste partir. Et voilà, il y aura notre cinématique de badge dès qu'on le met. Et voilà, il va nous rester là 3 autres badges à trouver. Donc voilà, voici le badge, donc on l'a bien mis. Et donc c'est comme ça qu'on le fait. Donc voilà, je trouve que c'était très simple à faire le badge d'aujourd'hui. Donc c'était tout ça pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors n'oubliez pas de lâcher un like, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer ce type de vidéo. Et aussi n'hésitez pas à vous rejoindre à mon serveur Discord qui sera dans les commentaires épinglés. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous verrai dans la prochaine vidéo. À la prochaine.